Bonsoir! En direct de Kinshasa, bienvenue dans cette deuxième partie du vlog. Si tu n'as pas vu la première partie qui relate ma première semaine ici, je t'invite tout de suite à aller la regarder. Et sinon, c'est parti, je t'emmène avec moi pour cette deuxième et dernière semaine. Let's go! C'est quoi? On va sortir un peu de Kinshasa pour quelques petits projets qu'on a avec le musicien. Si tu n'as pas la rêve, je t'invite à aller voir la première partie du vlog. Hein. J'ai dit, faut aller voir la première partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, c'est son anniversaire aujourd'hui. On devait le fêter hier soir de base, mais on était totalement KO. Ça, pareil, c'est dans la première partie. Donc, on va peut-être aller dans un petit lounge chill ou quoi. Et je vais essayer de trouver un petit gâteau pour qu'il souffle quand même ses bougies. Mais avant tout ça, on va prendre le petit déj. Toi, t'en veux combien? Et tu dis 1000 francs, ça fait combien de... 10. C'est 10. 1000 francs seulement. Oui, c'est ça. Le nombre d'habitants au Congo a connu une augmentation de 500% en 60 ans, passant ainsi de 15 millions à plus de 90 millions d'habitants. Kinshasa, la capitale à elle seule, compte officiellement 13 millions d'habitants avec un âge moyen de 16 ans. Il y a donc un véritable enjeu d'urbanisation des communes. Aujourd'hui, nous visitons des terrains dans un nouveau quartier qui est en train de se construire. Pour ces raisons, le secteur immobilier ainsi que le secteur agricole peuvent être de réelles opportunités. De rentrer, il est quasiment 18h. On est parti depuis 9h, 9h30. Donc, comme je vous ai dit, on est sorti de Kinshasa. Donc, avec les embouteillages et tout, c'était compliqué. Ici, vous avez plusieurs types de transports. En général, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'était on prenait les taxis. Donc, soit vous avez les taxis classiques, donc les taxis jaunes que vous arrêtez à la volée, puis là, il faut négocier le prix, etc. Soit vous avez une application qui s'appelle Yango, qui est comme un peu l'équivalent de ce qu'on a en France Uber, où vous avez directement le prix qui s'affiche, vous n'avez pas besoin de négocier et tout. Via l'application, il sait où vous êtes, vous vous rejoignez, etc. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. C'est relativement coûteux par rapport à nos prix en France. C'est pas du tout cher, hein, qu'on se le dise. Mais pour ici, ça peut être coûteux. En tout cas, il n'y a pas vraiment de différence entre les prix Yango et les prix des taxis.
Donc de ce côté-là, vous n'allez pas vous inquiéter, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Wewa, donc ce sont les taxis moto. Donc on en a pris quelques-uns aussi, c'est également moins cher que les taxis. C'est surtout avantageux au niveau de la circulation, un peu comme à Paris, quand il y a des embouteillages, du coup les Wewa se faufilent. Mais quand même attention, parce que la circulation ici est assez complexe. Le code de la route là, c'est la loi du plus fort, donc ça peut être dangereux, mais voilà, faut faire attention, faut que vous preniez quelqu'un qui a l'air d'être un peu conscient, ou sinon vous lui dites, même quand vous le prenez, attention, moi je suis pas d'ici, c'est la première fois et tout, enfin voilà, vous pouvez discuter avec lui. Donc ça, c'est la deuxième option. Ensuite, vous avez ce qu'on a pris tout à l'heure, donc les taxibus en fait. Ce sont des bus privés, hein, chacun a son petit bus, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est la première fois que je le prenais aujourd'hui et je suis choquée. On a fait quasiment 1h30 de route et vous savez, on a payé combien? 1000 francs. 1000 francs congolais, c'est 25 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. Tandis que pour un trajet similaire en taxi, on aurait payé quasiment, je pense, 20 000 francs congolais. Bon, ça reste tout à fait correct. 20 000 francs congolais, ça doit être 5 ou 7 euros maximum. Mais entre 5 euros et 25 centimes, pour la même durée, c'est incroyable. Donc voilà. Et aussi, vous avez les tuk-tuks. Les tuk-tuks sont arrivés ici aussi, un peu comme on a en Asie. Donc ça, je n'ai pas encore pris. Je ne pourrais pas vous dire au niveau des tarifs. Mais en tout cas, ce sont les 4 types de transports que vous avez principalement. Les locaux utilisent beaucoup les transports sous forme de taxi-bus ou les taxis classiques. Voilà, donc là on est rentré, il est super tard, donc on n'a pas mangé de la journée, on a enchaîné et tout, donc là je pense qu'on va manger puis avoir la suite. Non, comme d'habitude, cheville. Ouais, mon pantalon jusqu'ici, là, comme ça. Jusqu'à là. Comme j'ai arrêté mon pantalon, là. Ouais. Juste au-dessus de ton tatou. Juste au-dessus du tatouage. Ça, c'est à la montre. Voilà. Ça, à moi, peut-être, on a appelé ça une node. Une node. Pas une maquine. Vous appelez ça comment? Ungaru. Ungaru, les pantalons trois quarts là. Ouais. Mais c'est une marque ça, Ungaru. Ah oui, Ungaru, c'est une marque, ouais. On prend les mesures. Pour faire les tenues. Ma Mireille. Ma Katia vidéo. Ma Mireille. Bon, aujourd'hui, j'ai pas trop vlogué, hein, je vous ai pas trop parlé. Je sais même plus ce qu'on a fait. On a fait quoi aujourd'hui même? La journée est passée vite. Ah oui, j'ai pas trop vlogué parce que bah, le matin, il y a le... J'aime pas trop cette prise de vue, pardon. Ça me fait une grosse tête.
comme ça c'est pas mieux, mais c'est pas grave. Ce matin, il y avait le cousin monsieur qui est venu nous voir. Donc on a passé la matinée, enfin il a surtout passé la matinée avec lui. Moi j'ai préparé à manger avec ma Mireille. Et ensuite l'après-midi, on a été au marché des pailles. On a pris quelques tissus. Et normalement, je vous ai mis les images juste avant, mais bon, je fais un petit récap de la journée. Là, on est à la maison. Il y a le monsieur qui est le couturier qui est passé. Il a pris nos mesures et tout. Et on va faire, j'ai fait deux tenues pour ma maman, deux robes et deux ensembles pour le musicien. Faites pas attention au bordel. Le musicien et moi. Donc voilà, ça vaut le coup, hein. C'est beaucoup moins cher qu'en France. J'espère qu'on aura juste les tenues avant de partir. Et là, il est 22h, je crois, et il pleut. Il pleut plus. Il pleut plus? Mmh. Ah bon, il a plu en tout cas pendant qu'on était au salon en train de prendre les mesures et tout. C'est la première fois qu'il pleut pendant qu'on est éveillé. Et bon, du coup, ça décourage un peu, mais on a envie de sortir. Enfin, moi, j'ai envie de sortir, monsieur aussi, le musicien aussi. Donc, on est en train de voir les troupes, si les troupes sont motivées. C'est quel étage? Septième. Elle est jolie là. C'est un couple que j'aime. Ça, c'est mon beau-frère. Ah, d'accord, monsieur. Il a dit 24 heures sur 2. C'est le meilleur chaleur que j'ai mangé depuis que je suis là. Tu vois, c'est ce qu'il avait fait la dernière fois, Ben. Hein? Le chauffeur. Oui, oui, il avait fait ça à contre-sens là. Il est là-bas et après il est rentré direct. Onga Busta, c'est Onga Busta ça s'appelle? Ouais. C'est bon? Très bon. C'est meilleur que Alda. Calme-toi. Meilleur que Alda. Meilleur que. C'était quoi, 110 Street là? Eh, même moi! Ouais, c'est nul, ouais. Onga Busta, 24 heures sur 24. Il y a des gens qui achètent des burgers. Et puis il y a les gens qui attendent de rentrer à la maison pour manger des vraies assiettes. Ça c'est une technique parisienne. Parce qu'il n'y a aucun bruit. On a quitté le tumulte de Kinshasa. Et ça fait vraiment étrange. Donc aujourd'hui, on visite des plantations agricoles. Et le décor me fait vraiment penser au décor qu'on peut avoir, par exemple, en Martinique.
Ça fait trop bizarre. Bonjour maman. Hop là. Maman. Non mais ils sont bloqués comme ça, ça c'est bloqué. Donc il y a juste une avenue. T'entends? Ça, j'ai essayé un peu de cultiver, de mettre les tomates. Ça c'est quoi comme plante? Ça c'est les manioc, les feuilles de manioc. Ah c'est ça les feuilles de manioc? Oui. Pondou. Ah. Ça, c'est les pondou. Donc c'est ça on mange. Oui. Ah. J'ai essayé. Là, pili pili. Les tomates. Et ça, c'est quoi ça? Ce sont des oignons. Oignons? Ah oui. Oui. Coucou. Il faut que porter Chango, bien. T'es un peu petit bébé, toi. T'es un petit bébé. Oui, à la ferme, on doit avoir un chien. Pourquoi? Hein? Non, pour la garde. Mais ça, c'est quoi comme chien? C'est quoi comme race? Non, je ne sais même pas. Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Non, je l'ai... Chez moi, j'ai un caniche. Oui. Qui n'est pas... C'est pas le court caniche, là. Un peu grand. Il est un peu grand. Il a fait des races un peu... Mélangées. Il a fait des caniches. Ça, c'est des arbres de safou. Oui, mais ça. Je pensais pas que ça poussait comme ça sur les branches. C'est les safou. Franchement, ça fait trop du bien. Du coup, on n'est pas dans la. On a quitté Kinshasa, on n'est plus à Kinshasa. On est dans le Bas-Congo. Très vert. Test du vin de palme. Ah, c'est bon. Oui, c'est ah. Bon. Ah, c'est bon. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que j'ai un peu délaissé le vlog ou que je vlog pas correctement pour cette deuxième partie. Parce que je suis très fatiguée, du coup parfois j'oublie de filmer, parfois je sais pas trop. En tout cas, j'espère que le rendu final sera quand même pas mal. Aujourd'hui, on est jeudi, ça veut dire qu'on part dans 3 jours. J'ai envie de pleurer, franchement je suis trop dégoûtée. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, on va essayer de profiter au max de ces derniers jours. Il y a une chose que je tenais à tout prix à faire pendant mon voyage, c'était les chutes de Zongo. Et malheureusement, on devait y aller aujourd'hui et revenir demain. Mais on a préféré tirer une croix dessus parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez de temps pour faire les derniers achats qu'on avait besoin de faire, etc. Donc, vraiment, je suis triste, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'un prochain voyage. Donc là, on va essayer de profiter de Kinshasa au maximum pour ces prochains jours. Aujourd'hui, il fait très chaud, il fait très beau, il y a beaucoup de soleil, donc c'est super. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Je sais déjà que ce soir, on va aller manger au Pima Bar. Donc, c'était dans ma liste. Le Pima Bar, apparemment, ils font un excellent poulet mayo. Ça a bandale. Mais là, pendant la journée, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prochains jours, ça va vraiment être tout chill. Ça va vraiment être chill pour bien se balader dans Kin. J'ai noté plusieurs petites choses au niveau du parc de Nzele. On y va dimanche, normalement. Mais on n'aura pas le temps de tout faire dans les environs, vu que c'est notre jour de départ. Donc, je pense qu'on va y aller aujourd'hui pour faire les petites activités qu'il y a autour. On a fait une petite pause pour acheter le petit déjeuner. Monsieur, il a pris des œufs avec des bananes plantain. Moi, j'ai pris des beignets avec de la sauce arachide. Là, on part à l'aventure. Du coup, finalement, on va tenter d'aller vers le parc de la Nsele pour aller dans les différentes activités qu'il y a autour du fleuve. Donc, Kimia River et c'est une Gandayale, je crois, ou Yala. Non, Gandayala.
vu qu'on est parti tard et qu'il y aura probablement des bouchons, on va essayer de faire un parcours mi-taxi, mi-moto. Donc on nous a conseillé d'aller d'abord, donc nous on est logés, on est à Gombe, on nous a conseillé de prendre un taxi jusqu'à Victoire et à Victoire prendre une moto jusqu'à l'aéroport, puis l'aéroport jusqu'à Kinkole, Nsele, tout ça. Donc c'est parti. Aujourd'hui il fait excessivement chaud. Papa. Le ciel est bleu, j'aime bien. Un peu failed. On a été à Kimi Arrival et c'était fermé. Ils ouvrent que le week-end, le samedi et le dimanche. Ça avait l'air vraiment sympa, donc on va essayer de revenir samedi. Ensuite, on a été à Ngandayala. Je voulais faire de la pirogue sur le fleuve, enfin sur le lac de la Nsele. Et les pirogues étaient, je sais plus, j'ai pas trop compris ce que monsieur il a dit, mais en tout cas c'était pas dispo. Donc on a quand même voulu manger, on a pris presque une heure et demie pour être servi, donc on a voulu abandonner. Et au moment où on partait, ben, la commande est arrivée. Ensuite on a cherché un autre spot pour faire de la pirogue. Et on a atterri ici, je crois que ça s'appelle El Paradiso et c'est vraiment sympa. Sable blanc, tout ça, là il y a un coucher de soleil de malade. Franchement, et il faisait la pirogue, hein, mais c'est juste qu'il allait faire nuit, du coup j'ai dit on laisse tomber. Donc retour à Kiel, mais en tout cas ça nous a fait une petite pause tranquille quoi, au calme. Ce soir Patrick. Hey, ma barre, je recommande. Franchement, bonne ambiance, on a bien mangé, très sympathique. On est jeudi, donc c'est pour vous dire, ce week-end, c'est sûr, ça va être encore plus le feu. Du coup, là, il est 12h30, je crois, et demain, bah, je vais essayer d'aller me coiffer parce que là, ça y est, ma coiffure est gâtée, donc je vais défaire tout ça, et après, dodo. Salut, bonsoir. Lily? Oui. Bonsoir. Bon, on est vendredi, il est 10h, nous attendons la belle-sœur, donc la femme du cousin à monsieur. On va aller au marché, je vais me coiffer si tout se passe bien. Monsieur aussi peut-être si on trouve pour faire la reprise de ses locks. Et ensuite, on va faire les courses pour la famille qui nous a passé des commandes ici. Hein, parce que les produits sont de 1, moins chers et de 2, bien meilleurs. Et quand je dis produits, je parle de tout ce qui est produit pour la cuisine. Donc, le poisson. Les produits qui sont 600. Ah non, mais si je peux...
T'as bien fait. Les feuilles de pondou, tout ça. On va essayer d'acheter ça pour ramener à Paris. Donc voilà, c'est ça le programme de la journée. Si on finit pas trop tard, on va rentrer puis on va ressortir pour aller se poser quelque part. J'aimerais bien aller me poser dans une petite terrasse, quelque chose de sympathique. Et ce soir, normalement, je dis bien normalement, on sort. Hein, Lily, ce soir, on sort. Les ongles, ils sont crades. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui, hein? Ok. Il y a beaucoup de solaire. Bon, changement de programme. Au final, je vais pas me coiffer au marché. Là, je suis avec la belle-sœur. Je fais un vlog. Yeah! On va au marché de Libongo. On va acheter du poisson salé, poisson fumé, champignons et les produits aussi. Voilà, pour emmener à Paris, pour ramener à Paris. Donc là, on est dans le taxi. Et ensuite, quand on a fini, du coup, on va aller chez elle ou chez une coiffeuse vers Kingabo. Voilà. En route. Ça c'est quoi? C'est les serpents? Non, zombo. Zombo. Mais il y a les crocodiles. Ne prenez pas. Bonjour. Akin, c'est toujours comme ça, embouteillage. Trop les embouteillages. Kinshasa, Kinshasa. Lily.
Sentinelle qui garde la maison n'est pas là aujourd'hui, donc on essaye d'appeler notre ami, mais je pense qu'il dort parce qu'il travaille demain. Là où le sentinelle. Oh bon, ça va. Et il répond. Il répond, t'inquiète. Ça, ce sont les péripéties de la vie, hein. C'est les péripéties de la vie nocturne. C'est une situation très indue, hein. Ouais. Il est quelle heure là? Il est 4h49. Ouais, 4h49, aïe. Bon, on va voir, moi aussi c'est ça, je m'assois ici seulement, je dors. Hein. Tu vas dormir toute seule ici. aïe. Bon, on a finalement pu rentrer, il est 5h30, extinction des feux. À demain. Bonsoir. Je n'aime pas bien montrer la coiffure. Bon, le réveil a été dur, mais on est debout. Je suis avec Louise, on prépare les poto-poto de patates douces pour le petit déjeuner. La poto-poto yaba là. Mmh. Ok. Donc elle a fait cuire les patates douces, là elle est en train de les piler. Mmh. C'est quoi les trucs rouges qui sont dedans? C'est ça. Les points rouges les là. C'est piment. Ah, piment. Oui. Mmh. Et ça, du coup, coucou. Ah! Cœur de lion. Ça va? Et là, c'est moussaka. Oui. Moussaka ou moussaka? Moussaka. Moussaka. Mm. Donc, du coup, c'est la sauce avec les noix de palme. Ok. Uh-huh. Et on met ça dedans? Oui. Ok. C'est super bon. Pour filtrer. Oui. Enlever les graines, les fibres là. Ouais. Donc ça, ce petit déjeuner, je vous l'avais montré, je pense, dans la première partie de la vidéo. Et là, je vous montre la préparation. C'est Louise elle-même qui avait fait, hein. C'était très bon. Nazo, ça la vlog. On a YouTube. Ah bon. Oh yoki YouTube. Oh yebi YouTube. Mm. Ah. Ce jour. TikTok, WhatsApp. TikTok, WhatsApp. Oui. Ouais. Ça c'est les petits déjeuners bio. C'est pas les céréales, les nanani nanana. Mm. Mm. Hein? Oui, moi aussi. Avec Ya. Ya. Ya Lulu. Ya Lulu, hein? Et...
quoi? Tu manges quoi? Du ngando. C'est quoi? Du Lacoste. Lacoste est dans mon assiette. Tu comprendras qui pourra. C'est bon? T'es un aventurier, hein? C'est bon. Mais faut pas envoyer la vidéo à Brigitte Bardot. Hein. Elle a débarqué chez moi là-bas. Ils mangent les crocodiles, pour ceux qui n'avaient pas compris. Hein. Je fais le décodeur. Mmh. Ah, tu te lèches chez toi parce que tu sais que c'est bon. Hein. Tu veux pas mélanger avec. Tu veux pas mélanger avec, avec les saveurs des autres. J'ai les doigts sales. Allez, let's go pour. Regarde maintenant, regarde. Comme non, c'est parce que c'est voilà, spécial. Tu vois? Alors? C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'elle a dit, ça a le goût à la fois du poisson et en termes de texture, c'est entre le poisson et le poulet, vraiment. C'est ce que j'hésite, genre. C'est ce que j'hésite aussi. Non, c'est bon. Ouais, ça passe. Non? Mais c'est fort, hein, comme goût. C'est ngandu. C'est les ngandou, la coste. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, regarde, maintenant, là, elle reprend encore un petit morceau, tu vois. Goûte, mamie, je de mange. Base, c'était un, je veux pas goûter, maintenant, regarde. Maman. Je vais dire à ta maman. Maman, j'ai mangé du crocodile. Bon, on vient d'arriver. Déjà, on a bien mangé chez Flore. Franchement, c'était bon, mais c'était pas. C'était bon, on a bien mangé. Par contre, les portions sont très conséquentes. Hein. Donc, quand vous voyez un plat, c'est pour plusieurs personnes, ça à partager. Et là, après, on a pris les motos. On est venu au Sunset. Donc, c'est à côté du Kintsuka Beach où on était la semaine dernière, je crois. L'entrée, elle est à 7$. Et si vous voulez profiter de la piscine, donc vous baignez. C'était combien avec la piscine? 10$ ou 20? 20$, voilà. Si vous voulez faire trempette. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plutôt venue pour chill, me poser tranquille et tout, pour finir l'après-midi, peut-être avoir un beau coucher de soleil, on verra. Le Sunset, franchement c'était bien, hein? C'était archi bien. Si on ne devait pas rentrer pour faire les bagages et tout, j'allais grave rester. On a rejoint Ams Bay, enfin il nous a rejoint. Ouais. Bah, on le voit parce qu'il est blanc. Ouais. Toi aussi on te voit, t'inquiète. Ah, toi aussi on te voit, t'inquiète. Il y a beaucoup de lumière ici. Il fait bien noir, il n'y a pas de lumière. Bon, là on va marcher pour essayer de trouver un Wewa toujours, hein, pour rentrer à la maison. On a trouvé. Des lunettes. Ah ouais, parce qu'ici il y a des bêtes bizarres là quand il y a. De ouf. Je vais grave mettre les miennes. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée? Je suis KO. On est à la maison. C'est notre dernière soirée à Kim et là on est fatigué. Je vous ai même pas raconté hier, mais bon, vous avez les images. On a été au marché de Libongo. On a fait plein de courses pour la famille et les amis. Ils nous ont demandé de ramener des choses à manger, des trucs et tout d'ici. Donc ça a été assez éprouvant. Ensuite, je me suis coiffée. Au niveau de la coiffure, j'ai payé 50 000 francs CFA, enfin n'importe quoi, francs congolais, ce qui fait 20$. 20$, ce qui fait, je sais pas, peut-être 18 ou 19 euros, ça dépend du taux. Voilà, avec les mèches, les perles et la coiffure comprise. Et ensuite, on est rentré à la maison et puis on est sorti. On a été au K-Lounge et au Kong. Franchement, Kong, c'était grave bien. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas dans la vidéo, mais c'était grave bien. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a été manger chez Flore. Donc, Flore, c'est un restaurant qui est réputé à Kinshasa et surtout par la diaspora.
C'était bon. Monsieur, il a mangé son crocodile. Et ensuite, on a été chiller au Sunset RDC, donc à Kinsuka. Franchement, c'était vraiment sympa. J'y retournerai si je reviens. C'était vraiment, vraiment cool. Vous avez la possibilité d'aller dans la piscine et tout. C'était vraiment pas mal. Et là, on est en train de finaliser les valises, faire les commerces pour voir comment tout embarquer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ramener. Ce qu'on n'avait pas prévu. Donc, on a été obligé de rajouter un bagage et tout pour prendre une glacière. Donc, c'est un peu... Mais ça va le faire. Il est quelle heure là ? 1h40. Il est 1h40. Demain, c'est notre dernière journée. Notre vol, il est le soir. Et on avait pensé, on est censé aller à Kingakati. Donc, c'est où il y a le parc de la Nsele. Je sais pas. Hein? Je sais pas. On avait dit qu'on partirait à 8h. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Surtout que. On a un petit souci de logistique parce qu'en fait, Kingakati, c'est après l'aéroport. Donc, on s'était dit qu'on passerait la journée là-bas et qu'ensuite, on irait directement à l'aéroport avec nos affaires. Sauf que la glacière est venue s'ajouter là-dedans et on ne peut pas traîner toute la journée avec la glacière, sinon les choses vont fondre. Donc là, c'est niveau organisation aussi, c'est pas clair. Donc, à voir ce qu'on va faire. Mais si on n'y va pas, déjà qu'on n'a pas fait les chutes de Zongo, je serais un peu triste. Mais bon, en même temps, je suis tellement fatiguée que je ne dis pas non de dormir jusqu'à midi. Après, aller faire un tour, je ne sais pas. Bon, bref, on verra. Je vais continuer ma valise pour ensuite aller me laver et dodo. Ça y est, c'est le dernier jour. J'arrive pas à y croire. C'est passé tellement vite. Franchement, il y a moyen que je pleure hein, en partant, en quittant la maison. Il y a un grave moyen que je pleure. Et je commence sérieusement à me demander si on doit aller au parc ou pas. Parce que du coup, comme on va au parc, on se sépare de la famille ici et on va directement à l'aéroport ce soir. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire les au revoir maintenant. Donc là, il est 8h30. On avait dit qu'on partait à 8h, mais tout le monde dort. Enfin, en tout cas, c'est moi qui ai ouvert la maison. Donc, petit pincement au cœur. Franchement, j'hésite à y aller. J'hésite à y aller pour pouvoir profiter de cette dernière journée sur Kin. Et en même temps, j'ai trop envie de faire le parc, quoi. Mais en même temps, je me dis, le parc, il va pas s'envoler. Donc, je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. Ah, voilà. Toutes les choses qu'on nous a demandées. Il y a du pondu, des matembele, du kwanga, des poissons salés, des poissons séchés. Il y a quoi de toucha, enfin voilà. Et on est déjà là, on a essayé de peser, on est à 23,60 kg. Normalement, on a le droit à 23 kg, donc on va voir à l'aéroport combien ça pèse. Donc, ça c'est bon. Je suis contente parce que si le couturier il a réussi à ramener les tenues, il les a ramenées ce matin, donc faut qu'on refasse la valise. Ok. Maintenant, on ferme ça. Mon bébé. Et aujourd'hui, je prends tout. Merci, maman. Je mange tout. Faut prendre deux. J'espère que c'est bien pour ça. On prend tout. Aujourd'hui, je vais tout prendre. On a dit aujourd'hui, on mange tout. Je vais vous montrer tout ce que j'ingurgite. Donc, on a commencé avec les chips de banane plantain, sucré. Là, j'ai pris une boisson dont j'avais vu la pub. Ça s'appelle Bora Bonito Raisin Noir. Je vais goûter. C'est bon, hein? Ça a le goût du, on dirait du coca, du cola. Ou pour ceux qui connaissent le cola champion, ça a le même goût. Bon, finalement, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est validé. On part au parc de Nsele. C'est Nsele. On part de la Nsele. Donc, on va faire le safari.
Et là, on est en route. On avait un peu peur qu'il y ait des embouteillages, mais pour le moment, ça va. Il y a un peu de circulation, mais ça roule. Elle est à 10$ juste pour visiter, et si vous désirez faire le safari, c'est 20$ en plus, donc 30$ total. On est un peu peiné parce que il y a deux types de safari, le mini safari qui dure 45 minutes et le grand safari qui dure 1h30. Malheureusement, le grand safari, il est à 15h, et nous, comme on doit aller à l'aéroport, ça nous fait trop tard, donc on va faire le mini safari. Et là, on commence par une petite visite du mini zoo. Oui, dans le tronc là, il y a encore d'autres. C'est ça, il a mangé. C'est ça, t'as mangé. Oui, moi j'accepte. Toi aussi, t'as mangé. Bébé. Femelle, femelle, hein. Voilà, c'est bien. Quelqu'un m'a dit, bah, tu m'as dit, la caca boy. Pas mal de bruit, c'était génial. À la fin, il a plu et tout, mais bon, c'était pas du tout handicapant. Et on avait déposé la glacière que je vous ai montré ce matin avec tous les trucs qu'on doit ramener à Paris chez Coco, donc la grand-mère. Et là, on l'a récupéré. Et en allant la récupérer, j'ai voulu regarder par hasard le vol. Et on devait partir à 21h50. Et au final, le vol est retardé. On décolle à 2h20 du matin. Alors qu'on s'est pressé tout. Donc là, merci, on a King Cole. C'est un lieu qui est réputé pour tout ce qui est poisson, pour aller maboquer.
Donc les maroquets, c'est les cuissons qui est effectuées en papillote au barbecue. Donc ils sont réputés pour ça ici. Donc on est venu manger. C'est juste après l'aéroport. Donc là, on va commander les poissons, tout ça. Et aussi, ils ont plein de petites choses telles que les possés. Donc les possés, c'est les larves qu'on trouve dans les palmiers. Et les makelélés. Ils adorent ça. Voilà, c'est ça. La maman est ici, ça. Et les makelélés. Donc ici, ils adorent ça, ils raffolent de ça. Ça, clairement, ils disent que c'est le caviar congolais. Moi, je n'arrive pas à goûter, mais aujourd'hui, je vais essayer. J'ai peur. Ça, c'est quoi comme poisson? Oh, une janda. Oh, une janda. Ok. Ce qu'on a préféré, on soit oli. Na posse. Et ça, c'est quoi comme poisson? Oh, mopongo. Mopongo, je connais pas. Le logo de Kango, oui, parce que mopongo, ça va pas bouger. Je vous ai dit que j'allais vous montrer tout ce que j'allais ingurgiter. Donc, on a mangé les ngouba, les cacahuètes grillées, et la Vitalo, boisson locale à la Grenadine. Coca. Le goût du ça, incroyable. C'est Mboka. Je sais pas c'est quoi en français. C'est quoi en français? En tout cas, c'est le poisson du pays. Canon, franchement, canon. Ça y est, on est à l'aéroport. Coucou monsieur. Les au revoir ont été très durs. C'est 6 pour toi. Parce qu'après ils vont dire, encore je suis un faiblard. Comment ça t'es un faiblard? Non, j'ai juste ça comme ça. Donc moi je suis une faiblarde. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Faut pas comprendre les choses que je n'ai pas dit. J'accepte. Ça a été dur. En tout cas, je tiens à le dire dans le vlog. Merci aux personnes concernées. Je ne sais pas si elles regarderont ce vlog ou pas. En tout cas, vous savez déjà, c'est la famille. Franchement, vraiment. Vraiment. Que ce soit la famille qui est ici ou que ce soit la... Oui, parce que je vous dis ça, mais vous comprenez pas parce que je vous ai pas expliqué en fait. Ici, on était logé chez la famille d'amis proches à nous à Paris. Voilà, qui nous ont proposé de nous héberger. Et ils nous ont accompagnés pendant tout le séjour. Et franchement, enfin voilà. Cœur sur vous, cœur, moitié de cœur sur vous, franchement, parce que... Les mots me manquent. Là, on est à l'aéroport et sauf que, comme je disais tout à l'heure, le vol a été décalé à 2h20. Donc là, il est quelle heure? 21h23. Donc on a encore 4h30 à attendre. Donc voilà. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là du coup pour le vlog.
Je pense faire une troisième partie peut-être pour vous donner mes retours sur Kinshasa, mes tips, je ne sais pas, à voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut venir, surtout si vous êtes d'origine congolaise, vous n'avez jamais été au pays, venez. Et même si vous n'êtes pas d'origine congolaise comme moi, n'hésitez pas à venir, à voyager en Afrique, c'est important. On a tout ici, vraiment on a tout ici. En tout cas, on a passé un séjour formidable. J'ai pas du tout pu faire tout ce que je voulais, loin de là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a profité, puis on a pu avancer sur les choses qu'on voulait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que le vlog vous a plu, que les deux vlogs vous ont plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voyez des points d'amélioration, quoi que ce soit. Enfin voilà, mettez en commentaire. Tchou. Tchou, please, pause,